Monsieur le directeur du cabinet du président Sénégalais, Monsieur le conseiller spécial du président Sénégalais, Mesdames, Messieurs les sages, militants et sympathisants du RDG, Monsieur de la presse, je voudrais d'abord vous transmettre les meilleures salutations de notre président. Et là, je sais que vous avez un mot qui a mis chef du parti du côté de la Il m'a chargé de dire qu'il est fier de l'horizon tous les jours parce qu'aucun parti politique n'est capable de faire une telle mobilisation. Nous avons décidé de ne pas jouer la musique ici parce que vous savez tous que depuis que nous avons commencé avec le Front National pour la défense de la Constitution, 20 jeunes ont été tués, arrachés à la fleur de l'âge, enterrés au cimetière du Bambéto. Nous sommes tristes parce que depuis 2010, depuis que M. Alpha Condé est président, il y a plus de 129 jeunes enterrés au cimetière du Bambéto, tué sous sa gouvernance. Les jeunes pour lesquels il n'y a pas eu de compassion du gouvernement. Les jeunes pour lesquels il n'y a pas eu de justice. Je le dis depuis 2010. Nous avons M. Alpha Condé comme président depuis 2010 dans les conditions que vous connaissez tous. Je le répète toujours, il n'est pas encore sorti du traumatisme de 2010 avec ses 18%. Personne n'a cherché à savoir d'où il vient. Personne n'a cherché à savoir quel est son nom. Monsieur Alpha Condé a privé la Guinée, il a privé les Guinéens unis, il a privé les Guinéens faire la politique parce que pendant les 25 ans, de M. Lassana Condé, on a fait la politique ici. On a vu des leaders comme le Ibrahim Ba Mamadou, Sylla Diop, Jean-Marie Doré, lui-même Alpha Condé. On a suivi la campagne lorsque M. Alpha Condé et M. Lassana Condé organisaient les élections. Mais le débat, ce n'était pas autour des ethnies. Parce que vous avez Ba Mamadou, vous avez Sylla Diop, vous avez autour d'eux des gens qui ne sont pas de leur communauté. Monsieur Alpha Condé lui-même avait comme directeur de campagne à l'époque, Monsieur Alpha Sow, qui n'est pas maléfique, mais c'était son directeur de campagne. Parce que pendant cette période, les gens considèrent la politique comme état de salopia, c'était projet de société contre projet de société, la Guinée se portait bien, on faisait des élections, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de crime. Monsieur Lassana Condé, une fois rencontré le Ibrahim Ba Mamadou, je pense, vers la Haute-Guinée, il a laissé le chemin pour le Ibrahim Ba Mamadou. C'était ça la Guinée unie dans la diversité. Mais depuis que M. Alpha Condé est arrivé, lui pour lui, la politique s'est divisée de Guinée. Les Guinéens n'ont pas vu M. Alpha Condé pour le dire. Il peut ne pas avoir d'expérience. Tout le monde savait que M. Alpha Condé n'avait pas d'expérience. Parce qu'aucun Guinéen ne peut vous dire est-ce qu'il a été employé ou employeur. Personne, dans l'histoire de M. Alpha Condé, personne ne peut vous dire que M. Alpha Condé a gagné quelqu'un ou il a travaillé quelque part ou M. Alpha Condé, voilà ce qu'il a fait. Personne. À part la société circulaire, là aussi ce n'était pas sa société. Il a dit, il est devenu président. On s'attendait à quoi? On s'attendait à ce que M. Alpha Condé, même s'il ne pouvait pas sortir des Guinéens de la misère, s'il n'a pas la capacité de redonner de l'électricité, de redonner des routes, ce qu'on avait demandé à M. Alpha Condé, c'était de recoller la paix, puisque nous sommes des Guinéens unis dans la diversité du responsable. Il a commencé. Dès qu'il a été élu, le premier discours qu'il a tenu, c'était de dire, moi, M. Alpha Condé, j'ai été élu par trois régions. Donc, trois régions. Au terme de Alpha Condé, on a pas eu Mandé Fou, Mandé Ta, Mandé
le parti d'État. C'est lui et le RDG. Sinon, un président de la République, qui est le président de l'Assemblée Guinée, ne peut pas aller jusqu'à faire la liste des députés. Donc, je voulais lancer des messages ici pour que ça se soit très clair dans la tête de tout le monde. Nous devons éviter par tous les moyens de ne pas tomber dans le piège de chaque abonné. Il ne peut pas gérer s'il n'y a pas de problème éthique. Tout ce qu'il fait dans la vie, il faut qu'il y ait une connotation éthique. Une femme, une vie, on a vu à la télévision nationale une femme en train d'être murée. On a dit, c'est une femme enceinte. Non, elle n'est pas enceinte, elle a l'état. J'ai dit une femme allaitante, enceinte, vieille, jeune, même si elle est vieille, même si elle est vierge, on n'a pas le droit d'humilier une femme. Cette femme a été humiliée. Mais puisque les gens, ils ne sont pas ethnies, il y avait trois policiers qu'on a vus à Chinadion, ils sont allés prendre peut-être un policier du peuple. Pour lui, pas de leur parler, pour qu'on dise que c'est les deux qui sont en train de tuer, où sont les trois gens. Pour un gouvernement, ça c'est triste. Parce que tu te poses des questions, est-ce que ces gens-là, ça fonctionne dans leur tête? Une femme unie, mais qu'on prenne quelqu'un pour le mettre, est-ce que c'était lui-même le policier?
on renverse les barrières. Les jeunes de moins de 30 ans, abattus, une femme qui a un seul enfant, enfant unique, l'espoir de la femme, elle ne vit plus parce que cet enfant mourit bientôt. Son seul enfant a été tué par balle. Il n'y a pas de compassion. Sinon, nous sommes quel est le problème? Je vous explique simplement quel est le problème. C'est comme le mariage à Fabonné. C'est le même disait les élections. On met les élections. Mais il a peur. Il a une peur bleue de venir juger. Il ne veut pas aller en compétition avec nous. Il a peur. Il a tellement peur de lui qu'il ne veut pas aller. Sinon, si le FPG était parti, avec l'agent du gouvernement, mais je n'en pas de pas qu'il peut gagner. Il avait organisé les élections. Vous voulez organiser les élections avec un fichier électoral où il y a 8 millions 300 personnes. Vous voulez organiser les élections où à Dakar, à Angola, au Fouta, partout où vous ne pouvez pas gagner, vous le fichez comme nombre des gens. Vous mettez les enfants à l'état de gouverner, les enfants de 10 ans, vous le mettez dans les fichiers. Là, du corps de l'étoile entre 37 à 40%. Nous sommes à 70%. On demande quoi ici, je ne veux pas bouger. D'ailleurs, on a une occasion, hein, comme l'IMD, je ne viens pas, c'est mieux. D'ailleurs, on va tuer le PDG. Vous voyez, certains autres partis qui disent, alpha, pardon pour l'amour de Dieu, il ne faut pas que le PDG vienne parce que nous, c'est une seule occasion pour nous d'être le PDG. Mais il ne faut pas que le PDG soit là. Je le dis clairement, nous avons bien fait de ne pas nous associer à ça. Si on s'était associé à ça, on serait devenu comptable de ce fichier électoral qui fait la honte de la vie. Personne ne soutient le Japon avec ça. Et nous ne changeons pas de discours. Nous avons dit que nous voulons des élections crédibles. Les conditions que nous avons posées sont très claires. Il faut qu'on finisse d'abord avec les élections locales. Deuxièmement, il faut que le fichier reflète la réalité. Troisièmement, nous avons dit et nous avons exigé à ce qu'on ait une CENI, avec un président de la CENI qui est neutre, qui n'est pas le militant du RPG arc-en-ciel. Et quatrièmement, il faut que nous avons connu le nôtre à son projet de troisième mandat. Nous sommes dans un pays à 90% musulmans. Nous tenons compte non seulement des musulmans, mais nous tenons compte aussi des chrétiens. Quand vous êtes des musulmans, vous avez l'imam. Quand on vous dit le grand imam, ça veut dire qu'il est le président de tous les imams. C'est comme s'il est le président des musulmans. Quand on dit l'archevêque, c'est comme s'il était le président des chrétiens. Nous avons rencontré les imams. Ils nous ont dit, nous vous demandons de ce soir à vos manifestations. Donnez-nous une semaine. Nous allons voir si on peut réfléchir la position du président. Mais si vous ne respectez pas Elage Mamadou et Elage Mamadou Salou Kamara, vous ne respectez pas l'archevêque Monseigneur Brel. Et vous dites que vous êtes croyant, vous respectez. Je vous dis, un imam, c'est comme si c'était le président des musulmans. Un archevêque, c'est comme si c'était. Quand il demande, nous avons.
qu'il a fait, nous l'avons accepté pour le respect que nous avons pour les mains. Mais nous avons dit une semaine. Il espère que l'imam va l'apporter, mais ça va venir. Il va nous faire le compte rendu. Il va dire, vous avez respecté, vous m'avez respecté. Mais lui, il a dit qu'il n'a pas le plus d'avoir déjà pour moi. Maintenant, à partir de maintenant, on vous laisse, Dieu va juger. Que l'imam après va juger. Il va nous laisser avec sa famille. Nous allons faire le combat avec le chef à en sera qui est qui a parlé. Parce que quand vous répétez la vérité, vous battez pour la justice, vous n'avez pas le droit d'avoir peur. J'étais en train de dire ce matin, il y a une question d'extraordinaire. Dans son jour, il disait, mon père disait toujours, au lieu d'aller la voir, trouvons demeure à demain. Celui qui crie le plus fort n'a pas forcément le plus de bon sens. Et une grande foule agitée n'est pas forcément la même à décider de ce qu'il faut faire. Ce n'est pas parce que vous criez. Vous voulez intimider, dégager vos forces, il y aura le référendum, je vous dis ici et maintenant, il n'y aura pas de référendum dans ce pays. Pourquoi il n'y aura pas de référendum, je vais vous expliquer. En 1958, avec le général de Gaulle, qu'est-ce que nos nations ont fait, les présidents avec sécurité et les autres? Ils ont essayé de sensibiliser. Allez faire le tour. Expliquez aux Guinéens pourquoi il faut voter non. Les partis opposés, les PAG, ils se sont mis ensemble. Ils ont dit, on va parler d'une seule fois. Nous allons voter non contre le général de Gaulle. C'était la décision de l'ensemble des pays. Mais ça va pas dire que c'est pas ce qu'il fait. Il n'y a plus personne. Aucun personne ne peut vous dire avec qui il a rédigé. Il est dans la position à l'insulté. Il ne montre pas au milieu. Dans la constitution actuelle, rien ne l'autorise à changer la constitution. C'est le premier qui s'arrête dans les amendements, la révision des amendements. Quel est le bien qui peut s'approcher de sa famille pour qu'il comprenne quelle est la différence entre amendement, révision et changer de constitution. Il n'a pas le droit. C'est de purement et simplement organiser les élections du parti.
Alors, nous vous prions de rester calme, attendre les instructions du Fonds national pour la défense de la Constitution. Nous attendons le retour avec respect et déférence du grand imam pour lequel nous avons le respect de la considération. Si M. Fakwandi ne respecte pas l'imam, ne respecte pas la chef, il veut faire ce qu'il veut, il pense qu'il peut faire la Guinée et les Guinées, il considère qu'il n'a pas de respect pour les Guinées, il considère que nous ne méritons pas respect et considération. Il oublie s'il est président parce qu'on l'a mis président, M. Fakwandi tribunal du peuple de Guinée, comme un 50 de vous qui va mieux.